voyez bien les conditions de Rennes. Et ce qui est bien, c'est que Waterloo, il se met sur le Blue Baby, parce que pourquoi pas. Et donc, ce sera une run avec... Azazel. Oui, c'est lui. C'est lui. Pourquoi il y a les Blue Baby? Qu'est-ce qu'il veut, hein? Parce que les deux mettent le Blue Baby. Non, parce que j'ai fait de la merde. Parce que j'ai fait de la merde. Sortez de la race, je la recrée. Du coup, pendant ça, là, j'ai quand même faire les explications. Azazel qui commence avec plus de... Avec plus de vitesse que les autres, qui commence avec 3 cœurs noirs, 1 cœur bleu. Commence avec le vol. Le vol très puissant dans Isaac. Et surtout, Azazel, la particularité de ce perso-là, c'est qu'il commence avec une petite brime. C'est-à-dire qu'il ne tirera pas de l'arme, il tirera une brime qui ira plus ou moins loin en fonction de la range qu'ils vont prendre. Ce sera son arme principale. Il commence avec plus de dégâts que les autres, 5,25. Et un tir rate pour une brime qui apparemment est bon, puisque quand on prend un couteau ou un tech X, ça part directement à 8. Oh, oui. Une bonne vitesse aussi. Et oui, une bonne vitesse, plus de vitesse, 1,25 de vitesse. Il est déjà bougeable. Bougez. Voilà. C'est bon, Tovaka. La condition, c'est nos shops. Donc, pas le droit de prendre d'objets dans le shop. Pas le droit d'acheter d'objets, ni de prendre d'ailleurs. Hein. On n'utilise pas de crédit tiers, de diplopia ou des conneries comme ça. si jamais, en passant dans le shop, parce qu'on a le droit de passer dans le shop, récupérer par exemple les petites pièces qui peuvent traîner, tuer le marchand pour se donner des pourcentages de devil deal, des trucs comme ça. Si jamais on prend par hasard une carte, une clé, une bombe, une pilule, tout ça, on essaie de s'en débarrasser. Donc la bombe on l'utilise dans un coin de salle, la carte on la repose, la pilule on la repose, la clé on fait en sorte d'avoir toujours une clé sur soi. Si on prend un objet pas actif, on le repose tout simplement, on reprend le D6. Si vous prenez un objet passif par contre, ce sera le reset obligatoire. Voilà. Et je vais lancer la race. Oui, donc le no-shop, il va falloir s'en rappeler, même pour les commentateurs. Oh oui. On n'est pas forcément les plus au taquet. Cette condition. Alors, j'ai un décalage. Décalage de 3-4 secondes. Ouais, moi j'ai un tout petit décalage. C'est parti chez Waterloo. Ouais. Ça vient de partir, il y a une seconde de décalage. Une seconde, putain. Par contre, ouais, le stream qui marche un peu au ralenti du côté de chez j'ai même l'impression. En espérant que ça fasse pas la même chose dans son... IPCAC. Alors, IPCAC sur Azazel, je suis pas très... Docteur Fœtus, Epic Fœtus, voilà, Waterloo qui... Qui se débarrasse de la brime, hein, clairement. Qui se débarrasse de la brime, qui en a plus rien à foutre et qui trouve direct un Epic Fœtus. Et qui trouve des cartes, il avait le choix entre la Moon, la The Fool, les Strength, il garde Strength. Et Rocher Marqué qui lui donne un coffre fermé à clé qu'il ne peut pas ouvrir. Et pour l'instant. C'est facile. Ah, la rune back, très bien. Alors que Epic Fœtus chez l'autre également, Epic chez Tovacat. Eh ben Epic Fœtus contre Epic Fœtus. Hein. Jouez avec Azazel, vous verrez, la brime c'est rigolo. Voilà. Et très très bon objet ça, Steven qui donne Steven chez Waterloo. Ouais, Steven, bah, c'est signe que finalement tout va bien. Hein. Petite The Devil qu'on ne prend pas. Hein. The Fool. Et Tova 4 qui. Ça devra aller. Ouais. HP up, qu'est-ce qu'il va en faire? Il le reroll pour avoir le matchbook. Ouais, pas très intéressant. Bon, il a un cœur noir en plus, mais est-ce qu'un cœur rouge ça valait pas plus de coups pour le coup? Ouais. Ouais, t'as l'occasion sa carte strength, ça, pour le Devil Deal. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans son item room? Dust Touch. Dust Touch. Oui, les dégâts sont là. Les mêmes dégâts chez les deux. Très bien. Ouais, grâce à Steven, les mêmes dégâts, ouais.
Non, ce n'est pas les mêmes dégâts, il y a 0,01 de différence. Je savais que t'allais le faire. J'étais sûr que t'allais le faire. Aïe, aïe, aïe. Mais j'en étais sûr et certain. Ah oh bah oui, sinon... Et Thomas 4 qui trouve son boss avant. Ouais, ça il s'en peut pas en même temps, ça va. Et il se bombe, attention. Bah, par contre, et un Lilorn. Lilorn qui se fait démonter. Voilà, je comprends, Librim, machin, ça sert à rien les deux. Hein. Ouais, ah, par contre, War of Babylon, Babylon, c'est GG. Et hop, plus de 260. Et War of Babylon, War of Babylon de l'autre côté. Bon bah, ouais, ok. Bah, ouais, on est sur des runs un peu symétriques quand même. Hein. Sauf qu'il y a plus non, de... Non. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a qu'un objet qui diffère. Tout va bien. Les mêmes dégâts, quasiment la même vitesse. Alors non, ce n'est plus les mêmes dégâts. Le mec qui va faire chier jusqu'au bout. Oh, Liberty Cap par contre pour Tova 4. Intéressant ça. Ah, ouais. Il y a une Unzus chez Waterloo d'ailleurs. Ouais, une Unzus, un Liberty Cap. C'est pas mal parti. Hein. Ah, le petit cœur bleu qui fait plaisir. La TP le The Fool ouais. Utilisé. Ouais, bah ouais, pour sortir d'un. Ouais, ça évite de perdre un demi-cœur. C'est dommage, il s'enlève la possibilité de l'utiliser dans le boss rush. Il se trouve pas d'autres cartes de TP. Alors, le Queen Baby, c'est dommage. Je trouve ça très très dommage d'avoir reroll le Juicy Sack. Ouais, surtout pour le Queen Baby. Non, mais en plus, le Juicy Sack, c'était vraiment très bien pour un Epic Fetus. Ah oui, non, mais totalement, parce qu'il avait Ewaz pour Waterloo. Ah oh, bien. Lâche son Anzus, du coup. Et Pentagram pour Tova 4. Ah, ça prend, hein. Attention, on a des Et le Juicy Sack, de plus en plus dommage, finalement. Ah ouais, non, mais les araignées, elles auraient tapé à 12. Ça aurait été... Et puis ça aurait fait vraiment un beau truc pour aider sur les petits ennemis qui se baladent et tout ça. Ouais. Moi, c'est vraiment un objet que j'aime beaucoup. Par contre, peut-être que Tova 4, on va voir si c'est bon pour lui. Il a Sack of Sacks. Il piffe les pilules en tout cas. Hein. Ouais. Il a sac... NP, les pilules sont piffées. Hein. Il a Sack of Sacks. Faut se méfier avec un Sack of Sacks. Si jamais Sack of Sacks nous donne la bonne carte, on gagne du temps. Si jamais Sack of Sacks décide de troller à l'infini, on perd du temps à ouvrir tous les sacs. Ouais, c'est un peu à double tranchant. Et ça commence à bomber en tout cas des deux côtés. Ouais. À part au niveau de la vie, leurs builds sont faits. Hein. Oui, oui, totalement, totalement. Tova 4, qui a un slot de cœur rouge. Locust of Famine, très très bon. Qu'est-ce qu'il va décider de faire avec son Liberty Cap? Hierophant, qui l'utilise? Ah, Liberty Cap, c'est trop fort. Virgo. Pourquoi pas? Faudrait remplir ce cœur rouge quand même du HP. C'est sinon, le David Deal. Ouais, mais le problème, c'est qu'il... bleu. Il n'en a pas de cœur rouge ouais, dans pas, son étage. Mais il va en avoir un de toute façon avec le boss. Donc pas de soucis. Bon, ça, il va en avoir Pidgeys. Un forcément avec le boss. Pidgeys, c'est Pidgeys. Très bien. Il prend le... Qu'est-ce qu'il fait? Ouh là pop. Mais c'est pas le con. Ah, mais prends la brime, hein. Prends la brime. Prends la brime. La brime, putain. La brime. La brime épic fœtus. Non. Pourquoi cette erreur? Au revoir. Bah oui, parce que brime épic fœtus, ça fait des brimes qui partent d'épic fœtus. Eh ouais, c'est une synergie incroyablement forte. Goated, il va... Ah non, il reverra pas la brime. Bah, il est bien en termes de points de vie, en tout cas, ça c'est sûr. Mais les deux sont bien en termes de points de vie. Les deux sont montés. Niveau points de vie. Forte. Il se remet en War of Babylon c'est avec le mendiant. C'est bien joué. Par contre, Maggie's Face... Ça par contre, non. Là, il avait peu de chance de s'en sortir. Ouais. Avec le build qu'il avait. Pas très intéressant. Il prend une histoire. Et Waterloo qui est devant son boss de Depth One. Ouais, déjà. Sisterlis. Ça avance vite. Hein. Ça avance vraiment vite chez les deux. Range up. Saint-Oil, Damage. Et lui aussi, il a Ceremonial Robes. Emo qui prend pas. Emo qui le prend pas parce que. Finalement, merde. Et il a le pacte.
Le bah ouais, c'est moins bien le pacte. Bah ouais. Maud donne plus de dégâts que le pacte. Hein. Bah ouais. Ouais. Le reroll de Maud, ouais, ok. Ouais, c'est dommage. Même si, effectivement, avec un Epic Vetus, il y a très peu de chances d'utiliser Maud. Oh, ah non, par contre. Qu'il utilise directement. À deux salles du boss. Stratoil, l'appel. Ah, l'appel par contre. Que va-t-il faire? Ah, fais pas le con, putain. Ah, ouais, merci. Il prend l'appel. Il prend l'appel. Attends, je me. Attends. Non! 9999! J'en étais sûr qu'il allait faire ça. C'est pour ça que j'ai rien dit. Faut pas faire de coup de pelle en Debs 2, hein. T'as pas le Polaroid, t'as pas le négatif. Comment tu vas dans le chest ou la. Comment tu vas dans le chest? Non, il faut faire Blue Baby. Comment tu vas dans le chest sans avoir le Polaroid? Oh putain. Bon bah, GG Waterloo. Je viens d'y penser. C'est dommage, hein. Avant, on fait quoi? Bah, tu reset, hein. À moins que t'ailles jusqu'à Isaac et que t'espères que Waterloo n'aille pas jusqu'à Isaac, mais à mon avis, avec son build, il va y aller, hein. Je suis au bout de ma vie. Ouais, bah, nous aussi, ouais, t'inquiète pas, on est au bout de ta vie. Nous aussi, hein. Nous aussi, parce que. Ah, l'appel, c'était bien, mais c'était bien pour Womb 1, quoi. Voilà. Du coup, c'est le reset. En tout cas, si Waterloo meurt dans cet étage. Ah bah non, il a une Ewaz, donc il est passé à monde 2. Évidemment, donc évidemment même Léo n'a pas hésité à les clipper ce moment. Ah mais il y en avait plusieurs hein, à clipper, on va pas se mentir. Voilà. Non-prise de la brime déjà. Dommage après, est-ce qu'il connaissait bien la synergie? Non, c'est à la limite, il ça, connaissait après, certainement si pas. Si c'est un problème de connaître la synergie, bon, moins grave. Ça, à la limite, c'est pas grave, mais l'appel en Debs 2, non, quoi. Non. T'as pas en Debs 2. Bah non. C'est ça, dommage, quoi. C'est vrai. Et Waterloo qui arrive déjà devant Itin. Ouais, Waterloo, il a un boulevard devant lui. Hein. Ouais, en plus, il a même plus besoin d'aller vite maintenant. Ouais, il a juste besoin de faire sa run tranquille. Allez, hop. 14 de dégâts avec un épique, quand même. Hein. Ouais, bah ouais. Ça rigole, zéro. Ouais, Tova 4, il avait plus, hein. Ouais, il a mis une vingtaine. Tova 4, il avait tout pour aller hyper vite. Hein. Mais il a fait déjà l'empereur en Tep Swan. C'était pas très très bien inspiré. J'y repense. Oui, l'empereur en Tep Swan, oui, c'était. C'était pas très inspiré, ouais. Perd trop, Waterloo qui a une perd trop. Un deuxième reroll peut-être, hein, parce que c'est pas sûr qu'il y ait un reroll, il bombe tout, donc il n'y a peut-être pas de charge de D6 arrivé dans le chest. Ouais, Non, il en aura pas, c'est confirmé, il lui manquera une charge. Ouais, bah finalement c'est comme s'il aura le D6. Ouais, c'est comme ça. Puis il en aura peut-être une si jamais il se trompe de chemin et qu'il revient dans le. Il y a juste une salle à faire après dans le chest pour avoir son reroll, hein. Oui, s'il a 4 objets et que c'est que de la merde à fini, à mon avis, il fera demi-tour pour aller récupérer ça. Hein. Oui. Il n'a pas trouvé d'Anzus, a priori. Il avait Ewaz, Pertro, mais il n'a pas trouvé. Bah, il a lâché son Anzus pour les Ewaz. Ouais, bien sûr. Hein. Bah, ça lui a permis de skipper. Et il n'a que deux. Il n'a que deux clés. Bah, il a reroll. Il n'a rien. Pas top. Hein. Je pense qu'il va faire demi-tour vite fait. Je pense que là, il va pas hésiter. Hein. Okay. Oh, si. Ah, il a une clé de plus, mais il reroll pas. Si, bah, oh, c'était beau. Ça valait le coup. Ça valait le coup. Hein. Ah, c'était encore mieux. Ça valait le coup. Hein. Ça, c'est des beaux rerolls au chest qui font plaisir. Docteur Fœtus, c'est reparti pour du Fœtus. Il fait. Non, mais... bon, il fait un peu. De toute façon, il sait très bien que là, c'est. C'est un peu mort, quoi. En face, il y a le build qui est très bon, donc. Un peu. Ah, on attend juste des. Oh, bah, le couteau que... Ah, c'était bien. Hein. Ah, des bons starters. Hein.
ce temps-là, Waterloo, bon, il va lui faire un joli full clear du chess, je pense. Ouais, on compte sur lui. Ah, il a pas l'air de vouloir aller vers la grande salle, alors que souvent... C'est par là. C'est par là. Et quand non mais et le truc que tu dis pas, c'est que quand on se dit bah je vais aller directement vers la grande salle parce que c'est toujours par là. C'est pas par là. C'est pas par là. Oui, on connaît, hein, on connaît. À la deux grandes salles de suite, ça peut être par là. Ouais, ça peut être par là. C'est assez loin pour que ce soit par là. Ouais, c'est et un ben test de merde qui boucle. C'est une c'est boucle. Les pires. Allez. Alors, il est sur le rond-point, là. Ah, honnêtement, si la salle de boss, elle est collée à la grande salle, je suis mort de rire. Ah ouais, bah oui. Le pire, c'est non, que ouais, c'est possible avec une boucle comme ça. Ouais, ouais, c'est totalement possible, mais moi, je parierais plus sur le fait qu'elle soit sur la droite. Ah. Après, il peut y avoir une autre salle. Hein, sur... Ouais, c'est possible. Il y a une, encore une grande... Il y a, que des... il y a beaucoup de grandes salles, quand même. Hein. Beaucoup de grandes salles, ouais. Ah, et ça, c'est vraiment les pires chests, hein. J'entends chess de merde, j'ai encore une chance. Alors quand on dit chess de merde, c'est parce qu'il est long, hein, c'est pas parce qu'il est dur. Ah, ça peut être par là. C'est un beau layout de chess, hein, on va pas se mentir. C'est horrible. C'est ce qu'on aime. Hein. Puis là, sur un layout comme ça... T'as... Imagine, t'as la treasure map. Putain, c'est pas là. Tu vois, sur un layout comme ça, t'as la treasure map. Tu te fais baiser. Ah, tu sais pas où aller. Tu te fais baiser à l'infini. Hein. Tu ne sais absolument pas où aller. Hein. T'as la treasure map. Ah, Death Touch. Death Touch. C'est. Plus de dégâts. Parce que finalement, à quoi faire d'autre. Ah, encore une grande salle. On est sur du full clear, hein. On l'avait dit, hein. On est sur du full clear. Ah, là, pour l'instant, on est sûr qu'il est sur le bon chemin. Ah, merde, il va rater une salle. Ah, fais la dernière salle, s'il te plaît. Allez, fais pas le con, Waterloo. Allez, full clear, merde. Fais la dernière salle. Déconne pas. Déconne pas, mais fais la salle en haut. Merde, t'es nul. Oh là là, même pas le full clear. Oh, il est pas drôle, quoi. Oh, quel rabat-joie. Ouais, non, mais c'est ça. Arthova 4 retrouvait la brive, hein. Ouais. Ah, mais cette fois, il la prend pas, hein, c'est toujours bizarre. Pas, non. Ah, il va faire. Faire la dernière merci, salle. Merci, Waterloo. Oh, ouais, valait le coup, en plus. Oh, ouais, en plus, oh putain de merde. Oh, merde. Heureusement qu'il risque... Heureusement qu'il risque rien. Hein. Oh, et Waterloo qui vient de terminer, GG. Oh, merde, la dernière salle. Ah, t'es pas gentil, hein. Oh, putain. Ah, accroche-toi. Allez, je démute. Allô, allô. 3 minutes 30, le chest. Ouais, bah ouais. Ah ouais, le layout, il est horrible. Le layout, il est juste horrible. Je crois que c'est le pire que j'ai jamais vu. Ah, j'en ai que vu. Que des grandes salles collées qui font un tour, là. Ah, non, c'est... Ah, le layout, il est vraiment dégueulasse. Et c'est le full clear, hein. Ouais, bah bon, c'est... Heureusement, j'avais gagné, mais... Oui, bah oui. S'il fait les bons choix avec ce chest, je perds. Bah oui. Oui. Oui, oui, parce que lui, il a Liberty Cap, il l'aurait sûrement farmé, faute de mieux. Ouais, puis, enfin, j'avais de l'avance et j'en aurais eu en rentrant dans le chest, même s'il prenait Brimstone, mais après, avec le chest, je perdais. Après, je sais pas, hein, il avait... Juste une chose, Tova 4, c'est pas comme si tout à l'heure, j'ai dit... haut et fort que j'ai fait 8 minutes 20 avec le Blue Baby, avec Epic Brim. Ah, mais la brime, ah, la c'est la juste brime. Abusé, c'est génial comme... la Brimstone, hein. Et puis bon, le coup de pelle. Le coup de pelle, ah, malheureux. Ah, le petit coup de pelle, c'est... parce que t'avais totalement le build pour gagner, Tova 4, hein. T'avais vraiment tout ce qu'il fallait pour gagner, hein. Bah, Epic Brim l'appelle, il passe Womb 1 et puis il est bon. Ouais. Il tuait sa mom, il passait le Womb 1. Il avait Sack of Sacks qui pouvait lui donner The World, The Sun, The Emperor. Il a eu une Empereur qu'il a utilisée de façon peu judicieuse. C'est pas. C'est peu de le dire, oui. Parce que bon. Même si de toute façon il y avait la. Il avait un Empereur pour le chess, ouais, il aurait totalement failli quoi. Il était. Entre 10, 30 et 11 minutes. Alors, clairement, là, il y avait une run pour aller à hyper vite. Hein. Il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour aller super vite. Hein.
L'empereur, il l'a gardé pour le chest. Dans le chest, il fait voilà, toi tu faisais ton chest de merde, lui il faisait une empereur, c'était réglé. Hein. Puis il avait des dégâts qui étaient bien meilleurs que les tiens. Elle était bien la dernière salle. Ouais, ouais, heureusement qu'on t'a dit de la faire. Qu'on t'a demandé de la faire, ça valait le coup. Bah, en fait, j'y ai pensé. Vous avez dit, ah oh, merde, il va rater une salle et j'étais déjà rentré en fait. Sinon, j'y serais allé. Ouais, Tova 4, bah oui. Que veux-tu? Là, franchement, ouais, t'as fait des erreurs. T'as fait des grosses erreurs. Qui t'ont coûté ta run, hein, clairement. T'ont vraiment coûté ta run, et puis qui donne la troisième victoire à Waterloo. Hein. Ouais!